Hello? Hello? Mais ça qui passe? Vous avez un problème avec moi? Si ça allume, c'est vous qui savez répondre. Hello? Ok, thank you. D'accord, merci. Ok, guys, et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça. Et merci à vous-même qui répondez à la salutation enfin. Et vous-même qui pas répondu jusqu'à présent, j'espère vous répondre. Ok, enfin. Hello? Hello? Good, thank you. Ok? Et je dis à nous prendre la preuve comment on est capable de bailler l'heure en anglais, ok? Et non seulement prendre la preuve comment on est capable de bailler l'heure en anglais, on va pratiquer en pile, ok? Voilà, cette vidéo est riche en connaissances, de votre niveau gagnant, continuez à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que on prend la preuve en pile bagarre avec nous, ok? So, let's get started, on commence. How to tell time in English? How to tell time in English. Ok, comment on va faire l'heure en anglais. Ok, voilà. Et pour nous faire l'heure en anglais, nous allons voir comment pas rien de difficile. Ok, là c'est Nombio pour continuer à mettre en pratique. Ok, vidéo que tu as avant, c'était sur Nombio. Ok, donc vidéo bien sûr enchaîne. Bon, sur la théorie, Algadil. Ok, voilà. Et je dis à pour faire l'heure en anglais, on besoin qu'à côté de 1 jusqu'à 59. Donc, dans la vidéo que nous avant, nous allons apprendre à compter jusqu'à même 1000 ans. Ok? Voilà. Vous besoin rappeler 1 jusqu'à 59 pour l'heure en anglais. Ok? Ok. So, pour moi, dit lit 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, etc. Eh bien, moi, dit 1 o'clock. 1 o'clock. Ok? Et une heure, si c'est une heure, on dit one. Un an, nous dit one. J'entends comment on va dire un. Ok, one. Et pour dire o'clock. Ok? O'clock, qui veut dire une heure. Ok? 2 heures, on dit two. Moi, juste répéter deux. Two o'clock. Two. Là, ou à là, il n'est pas prononcé tant qu'on o. Il est prononcé tant qu'on choix. Son choix, nous gagnons là-dedans. Ok? Et je crois que tu es vrai. Et dans la première vidéo, on t'a parlé de prononciation. Ok? Un clac. Un clac. Ah. Dans O, ça, il vit dans ça. Ah. Ah. Ce A qui fait dans le coin net là. Ok? Ok? One o'clock. Ok? Une heure. 2 heures. Two o'clock. 3 heures. Three. Ok? On simplement dit nombre là. Ok? Three o'clock. Ok? 4 heures. 4, on simplement dit 4, 4 o'clock, 5 heures, 5 o'clock, 6 heures, 6 o'clock, ok? Même nom, vous avez appris déjà pour pas tomber écrit chaque nom pour là, ok? Vous avez appris déjà, c'est regarder cahier ou bien regarder vidéo sur pas de l'autre parce que normalement, on doit prendre notre, ok? Et je me saute quelque, je me dis qu'on y a 11 heures, 11 o'clock, 12 heures, 12 o'clock, ok, 12 o'clock, ok, qu'on y a si je voulais montrer si c'est matin ou bien et après-midi, là ça me va dire 12 am, ok, et dans sens minuit, ok, et ok, 12 heures du matin, 12 am, ok, am, ok, mais qu'on mette le vous, si c'est 12 heures de l'après-midi, ok, midi, et bien là ça va dire et 12 pm. 12 p.m. Ok? Voilà. Ok, qu'on y a, nous pas loin. Et si gen yon quantité minute après l'heure, là, qu'on y a, comment nous capable de dire? Ok? Voilà. Si nous avons dit, par exemple, 2h05. Ok? Bon, nous, par exemple, avec 2h. Ok? On est capable de prendre 1h, 3h, 4h, ainsi de suite. Ok? Voilà, nous prenons 2 heures, par exemple. Si nous avons dit 2h05, nous dit 2h05. Ou ça, on va joindre. Et à partir de 6 minutes qui viennent après le lien, et à partir de 1 minute jusqu'à 9 minutes, eh bien, on a dit O. Ok, parce que par exemple, on va écrire, nous avons 201, 202, 203, 204, ok, 209, ok. Et là, il vient à 10, pas gagner un 0 qui vient avant 10 là. Donc, 0 ça, il faut tout répéter, il faut tout dire O pour lui. O. Ok? Et par exemple, on dit 2h01, le samedi, 2 o 1. 2h02, 2 o 2.
2h03, 2h03. 2h09, ok, me saute quelque, ok, ou à faire ça. 2h09, ok. Quand y a, si n'a dit 2h10, ok, ou simplement dit heure là, ok, so, après ça, 10 minutes là. Sans pas répéter et hour qui voulait dire heure, sans pas répéter minute qui voulait dire minute, ok, n'a pas aidé à prononcer au mieux, talé, ok, n'a pas passé sur talé. Ok, ou simplement répéter l'heure là, ok, 2 heures, tout, et puis quand c'était minute là, répétez l'après. C'est simplement ça, on fait, on pas besoin de mettre hour, on pas besoin de mettre minute, ok, on dit tout, 10, ok, 2 heures, okay? C'est tout comme, en créole, c'est pas traduit, on dit 2, 10, ok, tout, 10, ok, qui veut dire 2h10, ok, si m'a dit 2h11, tout, 11, 11 là, on t'est déjà appris, 2h12, tout, 12, ok, 2h14, 2h14, ok, donc retourner dans le nombre, réviser, ok, 2h15, 2h15, ok, 2h20, 2h20, 2h25, 2h25, 2h45, 2h45, ok, donc retourner dans le nombre, 2h50, 2h50, 2h55, 2h55, 2h59, 2h59, ok, pas réécrire encore, retourner dans le nombre, regardez comment on est capable et dire chaque nombre, réviser, ok, voilà. Donc, et je suis capable de mettre mes îles avec, ok, c'est ça qui est plus courant, c'est ça qui est plus facile tout pour changer partie là, ok, et dans deux petits bouts de ça, ok, voilà, on peut arrêter seulement dans la partie ça, ou car bon, en attendant, et familier. Familiariser surtout avec partie ça, ok, des parties ça, ok, mais mettez trois autres parties encore pour aller, ok, et qui sont capables d'utiliser tout. Bon, pour l'autre, juste comprendre en attendant, ok, si vous êtes débutant, ok, juste comprendre l'autre en attendant pour si vous montez et répéter pour comprendre, ok, pour comprendre ça, je veux dire, ok, mais avec deux petits bouts de ça, déjà en mesure pour bien l'heure comme ça doit, ok, voilà. Pablier mettez 2 heures comme exemple, donc à mettre 3 heures, à mettre 4 heures, à mettre 5 heures, à mettre 6 heures, etc. 6 heures, là, ça va dire 6, 10, 6 heures. Ok, 6 heures 10, 6, 10, 6 heures 15, 6, 15, ainsi de suite. Ok, voilà. Quand on a les nouvelles tombées là, nous dit et 5, 2 heures 5 là, deuxième façon capable de dire 2 heures 5 là, même 2 heures 5 là, on te gagne là. 5, passe tout. C'est tout comme on dit, il fait 5 minutes après 2 heures. Passe là, il dit after, après, after. Ok? Est-ce que m'oblige à écrire? Ok? After. Passe là, il dit after. Ok? 5, passe tout. C'est tout comme le bailer, mais en créole, on dit ça. Bon, il a peine fait 5 minutes après 2 heures. Ok? Ou répétez minute là après, 9 minutes là. Avant, laisse ça, même si c'est dans. Parti côté 0 par devant, pas dit O5, on pas préférer 0 encore, on pas dit O5, ok, on simplement dit 5 là, ok, voilà, on dit 5 passe 2, ok, il fait 5 minutes après et 2 heures, ok, it is ou bien it, ok, on parle bientôt là, ok, comment on va demander qui le lien, ok, 5 passe 2, on répète quantité minute là avant, et puis on dit passe, et puis on dit quantité heure qui le lien, ok, et 2h10, et dans le sens, il fait 10 minutes après 2h. 8, 10, passe, so, ok, 10 nan pour minute là, ok, passe là, il dit après, et puis so là, il dit 2h, ok, il fait 15 minutes après 2h. 8, 15, ok, je répète minute là, 15, passe, so, ok, 8, 15, passe, so, ok, il fait 15 minutes après 2h. Il fait 30 minutes après 2h. 8, 30, je répète minute là, 30, passe, so, ok, 15 minutes après 2 heures, ok, c'est l'autre façon capable de dire, ok, donc, et à partir de, et bon, 1 minute après l'LFA, jusqu'à 30, je suis capable d'utiliser passe, ok, par exemple, et 5 minutes après 2 heures, et 25 minutes après 2 heures, 30 minutes après 2 heures, ok, dans 4 ça, je suis capable d'utiliser passe, mais quand il y a, lorsqu'il était 30 derrière, quand y a un sens, là, on parle, on t'a dit, mon nom, 2h moins 5, 2h moins 4, ok, 2h moins 20, ok, dans ce sens, ça, ok,
Et là, qui était 30 minutes derrière, qu'on y a nous aller dans le sens moins. Ok, ou pas dit, même l'on parle créole d'eau, ou pas dit là ça. Et ou pas vraiment dit, ok, et 20, 35 minutes après 2 heures, ok, là ça nous dit 25 minutes avant 3 heures. Ok, dans le sens 3 heures moins 25. Ok, l'homme qui était 30 là derrière, qu'on y a nous aller dans le sens moins. Ok, qu'on y a pour dire moins ça, il a utilisé sur 2h40, nous dit 20 to 3, ok? Dans le sens, bon, 3h moins 20, ok? 3h moins 20, it is 20, ok? Je garde combien de minutes il manque pour le 3h là, qui c'est 20, et je me dis 20, et puis, so 3, ok? Voilà, dans le sens, 3h moins 20, ok? Ou bien, 20 minutes avant 3h. On peut interpréter comme ça, 20 minutes avant 3h. Bon, 20 minutes avant 3h, mais là, on parle créole, bon, plus facile dit, 3h moins 20. Ok, là, ça nous dit 20, quand c'était minute, il manquait avant 3h là, c'est 2h là, il nous dit 20, so 3, ok? Vous comprenez? Voilà. On a si c'est 2h50, donc c'est 10 minutes, il manquait pour 3h. Là, ça m'a dit, it is 10, so 3, ok? Et 3h, 3h moins 10, ok? 10 minutes avant 3h, ok? It is 10, so 3. It is 2h55, donc 5 minutes avant 3h, ok? 3h moins 5, le samedi 5, ok? Quand c'était minute moins chrétien, je me répète, 5, so 3, 3h moins 5, ok? 5 minutes, 5 minutes avant 3h, ok? Voilà. Et puis ensuite, qu'on y a, si je vous l'ai dit, 2h et quart. En anglais, on dit, it's quarter, 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 past. So, ok, dans le sens, 15 minutes, ok, après 2h, 2h15, 15 minutes après 2h, ok, it's quarter past, so, ok, 15 minutes, ok, ok, un quart d'heure, ok, après 2h, ok, on y a si m'a dit 2h et demi, ok, là, on dit et demi, là, ça dit half past, so, half, ok, elle la silence. Ok, moi dis half, half, half past two. Ok, et 2h30, 30 minutes après 2h. Ok, 2h et demi. Ok, half past two. Qu'on y a si m'vle dit, 3h moins quart. Ok, 15 minutes qui manquent là. Ok, un quart d'heure. 3h moins quart. Ok, le samedi, it's quarter to three. Ok, c'est 15 minutes qui manquent quarter, qui voulait dire et quart. Ok. Eh bien, nous dit quarter to three, ok? Un quart d'heure, ok? Et avant 3h. Donc, pas oublier de dire avec deux sao déjà en mesure pour bailler à l'aise de sao pas plus facile tout visé. Mais, vous devez comprendre ça tout. Depuis que vous déjà comprendre, si vous manquez de comprendre, regardez la vidéo, des questions, pas oublier de poser dans les commentaires, ok? Nous là, pour nous répondre toutes questions à gain, ok? Ok, regardez encore, prends temps, prends ça, ok, parce que même bah, nous faisons créole, tout, on parle créole, ok. Donc, mais c'est parti ça qui est plus courant, ok, mais blanc et utiliser ça autour dans la langue par même gens, nous-mêmes, nous faisons la créole là. Donc, il faut qu'on connaisse aussi mon nata parler, et bien, il t'a dit, it is half past two, ok, 30 minutes après 2h. Donc, vous êtes à côté, c'est 2h et demi, half past two, ok, half, vous l'avez dit, et demi, 2h et demi, ok, voilà. Donc, nous comprenons jusqu'à présent, ok? Mais pas inquiétez pour ça, parce que je l'aime d'avoir appris, si vous n'avez pas quatre cas pareils, mais c'est des premiers parties, vous êtes familiarisé avec eux d'abord, vous êtes tout à mettre en pratique. Mais l'autre, vous juste comprendre, et en attendant, je vais peut-être tout battre, je connais tout rapide, ok? Mais si vous êtes à bon niveau avancé, vous connaissez toujours tout rapide, ok? Voilà, et puis ensuite, au fur et à mesure, je m'avance avec l'anglais, puis je finis de connaître ça, ok? Quand il y a pour 10 secondes, bon, il va, le roi, il va pas le répéter, non? Ok? Mais second en anglais on dit second, second, ok? Puis il y a là seconds, seconds, ok? Minute on dit minute, ok? Il y a là les prononcés d'un coup et son et noté jeune là, et mais et puis ça encore je ne sais et même et encore et pas i et minute minute puis il y a là minutes, ok? Hour, hour, hour. Hour, 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 h la silence, ok? Hour, ok? Hour, ok? Hours pour pluriel là.
AM nous dit AM. PM nous dit PM. Si m'a dit 2 heures. AM, eh bien, moi dit it is 2 AM. Là, pas même besoin mettre un clock là. Parce qu'il fallait parler, on va même dire un clock là encore. Ok, je dis it is 1. What time is it? It's 1. Mais si m'a dit 1 heure AM, là, me dit it's 1 AM. 1 heure PM. Ok, it's 1 PM. Ok. Voilà, et c'est de suite, ok? Et puis, midnight, vous voulez dire minuit, ok? At midnight, à minuit, ok? Noon, vous voulez dire midi, at noon, à midi, ok? Noon, midnight, et puis, il y a là, I. Et, là, il son et, là, il son I. Midnight, midnight, noon, ok? Voilà. Qu'on y a pour nous pratiquer, et on va pratiquer un peu, avant nous allons pratiquer ça, on va regarder comment commander qui est lié. So, on demande qui est lié, on dit, what time is it? Is it? Ce sont e, ou jeune là. E. Ok? What time is it? What time is it? Hey, what time is it? Qui est lié? Ok? Ou bien, capable dit, what's the. What's the? Juste essayer, ok? Fais le jour capable là, ok? What's the time? What's the time? Qui est lié? What's the time? Ou bien, dit, what time is it? What time is it? La gon liaison. Is it? What time is it? What time is it? What time is it? Gen nan tiyo ki silence. Ou pa bezwen prononse tout yo. What time? No. What time is it? What time? What time? What time? Tan konnen sèl mo. What time is it? Ok? Ou bien, what's the time? What's the time? Ki lè li? Men konnen sou vle mande moun ak politesse, ok? Mzi, could you please tell me what time it is? Ou ka bam ti lè, s'il vous plaît. Lwa bdi moun. Ou ka bam ti lè, s'il vous plaît. Monsieur, ou ka bam ti lè, s'il vous plaît. Ok? Voilà. De façon très gentille. Eh bien, could you, ok? Lwa pali rapide, dit, could you, could, Nge son son o ki fait nan gorge la. Could you please tell nan fin, ok? Me, what time It is. Là, parle rapide, tout dit. It is. Nous font liaison là. It is. What time it is? Could you please tell me what time it is? Ok, ou ka di ki le lié, s'il vous plaît. Ou ka bon si le, s'il vous plaît. Eh bien, le map baye léa, kon yam kapab di. It's, ok, 1 o'clock. It's 1 o'clock. Ok, par exemple, si c'est 1 heure. It's 1 o'clock, ou bien it's 1. Ok? It's 2 o'clock, it's 3 o'clock, it's 5 o'clock, it's 1:30, ok? Voilà, 1h30, 30 minutes après, 1h30, ok? It's 1:30, juste pratiquer et puis on va tout comprendre à l'aise, ok? It's 1:10, 1h10, it's 1:20, 1h20, it's 1:50, 1h50, ok? It's, vous dites, li, tel le, ok? Voilà, it's. It's, ça c'est it, c'est pas it's, ok? Voilà, good. Ok? Qu'on y a pour partie pratique, practice, qui veut dire pratique, et en nous, pratiquer ensemble, ok? Voilà, qu'on va poser pile question, répondre question à l'aise là, ok? Soit dit, mon nom à qui l'est levé. What time do you get up? Tu as prononcé ta couronne de. Get up. What time do you get up? M'ka di at what time ou bien m'pa employé at la même, ok? At what time do you get up? Si m'vle di chaque matin, ok? Every morning, ok? At what time do you get up every morning? Every morning, ok? At what time do you get up every morning, ok? Every day, chaque jour, à qui l'on levé chaque jour, ok? Every day, ok? At what time do you get up every morning? À qui l'on levé chaque matin? Ok? À qui l'a levé chaque jour? At what time do you get up? Every day. Ok? Voilà. Konya, et si m'a dit m'a levé à 5 heures. I get up at 5. M'a simplement dit 5. M'a pas répété o'clock là. Souvle ou répété, souvle ou pas répété. Ok? Pas inquiétons. Ok? I get up at 5. I get up at 5:30. À 5h30. Ok? 5:30. M'a dit le consat. Ok? Voilà. 5h30, 30 minutes, ok? 5h30, ok? 5:30, ok? Voilà. 30 minutes après 5h, ok? 5h30. Là, pour dire à qui l'heure ou lever, ok?
Et voilà, pas oublier d'apprendre conjugaison. Quand il y a ce me dire à qui le lever, si c'est un garçon, m'a dit at what time does he get up? Ok, on va apprendre comment conjuguer un verbe au présent de l'indicatif du verbe get up qui veut dire lever. Ok, à qui le lever? Ok, et si m'a dit à qui le lever, at what time do they you have enjoyed your day get up? Donc, on va poser question et avec et plusieurs personnes là, ok? À qui le John lever? At what time does John get up? Does, troisième personne du singulier, tu vois, c'est does. John, c'est he que tu as préparé, et bien, moi, dit does he ou bien does John. Ok, voilà. Quand il m'a dit à qui l'heure à l'école, what time do you go to school? School. Ok? What time do you go to school? Go to school. Il a parlé rapide là, tu as prononcé ton couillon D là. Go to school. Go to school, go to school, go to. What time do you go to school? What time do you go to school? What time do you go to school? School. Elle l'a pas prononcé, elle n'a fait rien, elle n'a pas prononcé net, même genre. School. At what time do you go to school? Et hop, presque pas attendre, elle m'a parlé rapide. At what time do you go to school? Bien, what time do you go to school? I go to school, mal l'école, I go to school, go to. Tu as parlé musique à prononcer ton couillon D, va parler rapide. I go to school at 6, mal l'école à 6h. Ok? On a soit dit à quelle heure ou saute l'école. What time do you get home from school? Ou bien, soit dit get home from school, ou bien dit come home from school. Yon ou l'autre, permettez tout de suite. Si on met dans le temps, c'est yon ou l'autre get ou bien come. What time do you get home from school? What time do you get home from school? Ok? Ou bien, what time do you come home from school? Ok? What time do you get home from school? Aki lòs sot l'école. Ok? What time do you get home from school? Aki lòs sot l'école. Today, vle di men bagay. Ok? I get home from school at. Ok? Si se I get moun nan te pose kèsyon, mam di I get home from school at. Si se avèk come ni te pose, mam di I come home from school at, ok? E a 3h, at 3, ok? E a 5h, at 5, ok? A klak ou ka metel ou bien pa metel, sa depan de ou. At 5:30, 5h30, ainsi de suite, ok? E pi, so a mande mouna a ki lè lal travay. What time do you go to work? What time do you go to work? Go to. Tan kou yon di lan kou. Ok, ti a rapou, nan se la pale rapid. What time do you go to work? What time do you go to work? What time do you go to work? A ki le wal travay? I go to work. Work. I go to work. Ou bien do work. Ti a bon se konde. I go to work at, mal travay, at 8h. At 8. At 8 o'clock ou bien at 8. Voilà. Konya so di mna ki lèl sou travay. Ou jist tounen la. What time do you get home ou bien come home from? Konya lam te gen school, se sou l'ekol. Men konya sou travay, lè sa mam di from work. Ok? What time do you get home from work? Ok? What time do you get home from work? Ou bien what time do you come home from work, à qui l'autre travail. Ok, qu'on y a dit, I get home from work. Si question c'était avec get, ok, from work. Laisse m'a pas bien souvent encore, m'a bien work. From work at 3, at 5. Ou bien si c'est avec communauté posée que ce soit, m'a dit, I come home from work at 6, 6h. Ok, at 6 o'clock, ou bien at 6, at 7, at 8h, ainsi de suite. Voilà, thank you guys. Ok, m'te kote pote bel video sa pou nou ki tre riche konesans. Pa bliye, pataje video yo. E like, se yo trouve enteresan, m konen ap enteresan. E like video, pataje de plis moun ou kwa de kou yo. Medisa bi yo kwa, paske se sa ka pebet ou jen plis moun ou pratike. Depi jodi ala,
Et en plus, tout ça, tu déjà connais, on a un pile bagaille pour pratiquer. Donc, et on a besoin, et il y a plus de monde pour pratiquer, plus ou des amis qui peuvent apprendre l'anglais. Même j'avais, c'est plus, on a une opportunité pour pratiquer tout. Laisse ça, si on commence à parler avec amis, on va dire, what time do you get up every day? What time do you get up every day? À qui l'enlever chaque jour? Ok? What time do you go to school? À qui l'enlever à l'école? Laisse ça la répondre. Ok? De pratiquer, d'avantage, c'est ça qui permet tout. Pas de problème pour pratiquer. Si on a un travail qui toujours aide, je vais appeler le monde pour pratiquer. Chaque langue m'a appris, ok, parce que je toujours battre pour me jeune amis et quand apprendre langue dans tout encourager l'autre tout apprendre langue dans tout comme ça m'a jeune plus pour nous pratiquer. Ok, thank you a lot guys, ok, see you soon, ok, merci un peu, n'après bientôt, ok, thank you, bye bye.